Donc voilà en tête, donc c'est un séjour organisé hein, donc par l'hôpital dans le cadre de l'association Sport en Tête. Donc là on part avec 5 patients, hein, 4 hommes et une femme. Donc bon, c'est le principe des séjours habituels, sauf que là on part sur quelque chose d'une, ouais, d'une, on va dire d'une petite compétition, quoi, quelque chose de bon, d'assez bienveillant, hein, il n'y a pas de titre en jeu, de choses comme ça. Donc on part sur donc un petit groupe, donc on va vivre à bord pendant 6 jours, hein. Donc on va partager cet espace qui est relativement réduit, hein. Un bateau, mine de rien, c'est quelques mètres carrés à partager. Donc ben voilà, on travaille tout ce qui est en termes d'adaptation, de liens, tout le monde participe à tout, hein. C'est vrai qu'on essaye au maximum d'impliquer les patients dans les tâches quotidiennes, mais aussi dans les pratiques aussi de la voile, de la navigation, hein. Ils sont très impliqués au moment des manœuvres, ils peuvent le barrer le bateau, des choses comme ça. Donc c'est vraiment on retrouve vraiment, voilà, c'est une notion d'équipage, quoi, et ça c'est hyper important. Et c'est vrai qu'on sort un petit peu du cadre institutionnel, hein. On vit vraiment une expérience. En tout cas, moi, le retour que je peux avoir maintenant, après quelques années, c'est vraiment des émotions, vraiment des photographies qui restent vraiment marquées longtemps, quoi. C'est vraiment des souvenirs très, très prenants. Beaucoup de patients nous en reparlent régulièrement. Et c'est vrai que c'est un moment un petit peu privilégié. C'est une petite bulle, quoi, on va dire, avec une vie de groupe, comme on peut en voir dans n'importe quelle manifestation ou n'importe quelle, on va dire, participation comme ça, hein, entre autres en équipage, autour d'une même aventure, parce que c'est, on peut dire, ouais, c'est vraiment une aventure, quoi, hein, pour nous et pour les patients, quoi.